Bon, oui, apparemment, vous êtes toujours là, franchement. Je m'attendais pas à ce qu'il reste encore quelqu'un ici. Bref, hier, j'ai fait un live TikTok et je disais que voilà, je voulais réduire un peu, encore un petit peu YouTube et avoir un autre réseau, mais pas Instagram. Instagram, c'est trop chiché, pompon, machin. C'est, je voulais un truc plus simple, vous voyez, sans trop de cassage de tête. Voilà, si tu veux faire une photo ou quoi, t'as pas besoin de modifier les couleurs pour que ça aille avec ton feed. Si tu fais une story, machin. Donc voilà, je me suis dit, tiens, Snap, c'est bien. Du coup, bon, voilà. Il est 7h30. J'ai eu grave du mal à me réveiller. Attendez. Ça fait 1 heure que j'émerge dans mon lit. Mais Et après, je vais encore me plaindre parce que j'ai pas pu me maquiller, me préparer. Et du coup, j'ai une tête de cadavre. Mais sérieuse, votre pote là? Super gris, je sais pas si je dois mettre des t-shirts ou pas aux enfants. Oula, mais il fait froid. Vas-y. Bah, je comprends plus rien moi ce temps, écoutez. Je n'y comprends plus rien. Bon allez, on va aller chercher de quoi les habiller. Et après je vais aller réveiller Anna et puis Aïdine. Les filles, s'il vous plaît, si j'oublie aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rappeler un truc? On va voir si Snapchat c'est beaucoup plus que les autres réseaux. Parce que j'ai entendu que c'est beaucoup plus simple pour vous de communiquer avec les personnes que vous suivez sur Snap. Ouais, rappelez-moi s'il vous plaît, il faut que je reprenne la course à pied. Je suis revenue de vacances il y a une semaine tout pile. Et à chaque fois, je me dis, je vais reprendre, j'ai rien repris. Rappelez-moi-le s'il vous plaît. Et rappelez-moi aussi de prendre mes compléments alimentaires qui vont m'aider normalement. Ma nanette. Anna. Coucou mon cœur. Tu viens dormir. Oh. Tu viens de mon côté. Oh là. Oh beau. Ici. Tu viens avec maman, on va se préparer. Tu viens mon cœur. Coucou. Ça va mon chat. Oui. Tu viens petit déjeuner. Maman va te faire un lait violet. Qu'est-ce que tu veux? T'es trop dur, t'es fatiguée. Tu veux un bibi? Oui. Est-ce que tu veux du chocolat dedans? Oui. Oui, tu dis s'il te plaît, maman? Oui. Maman. Ah. La plus belle. Ah. Allez, on y va. Juste à s'habiller. Voilà. On a déjà fait la douche hier soir. Boum. Bonjour. On y va, on va mettre les chaussures et on y va. Oh, j'ai oublié ton pull. Bon, je suis prête à sortir. Je voulais vous montrer mon outfit. Mais il y a un truc qui craint là, non? C'est sur le côté, en vrai, ça va. C'est juste pour déposer les enfants à l'école et après je vais passer à Intermarché en prendre des nouvelles. Parce que j'ai plus de collants du tout et je peux pas mettre cette robe sans ces collants. Parce qu'il y a, oh, y a ça et elle est trop courte en fait. Et oh. Vous allez me dire, mais autre chose? J'ai pas autre chose, ok?
aussi. Oh, ils arrivaient à me manipuler, à me faire dire. Ça m'énerve. Il y a personne en plus qui leur dit. On y va? Je viens? Je viens? Il est trop bien. Oh, sa mère, il m'a fait peur. Je t'achète à moi. Foutez-moi la paix. Bon, j'ai pas trouvé de body, mais je lui ai trouvé un petit ensemble mignon. Donc, hop, petit short et petit t-shirt comme ça. En fait, je lui achète. Je voulais lui acheter un body parce que je l'ai trop habillé. Je me suis réveillée, il faisait pas beau et tout, mais je pensais qu'il faisait froid. Du coup, je lui ai mis un body manche longue, un pull, vous avez vu, un pantalon. Et je suis arrivée à la MAM et ils étaient tous en short débardeur. Et même moi, je commençais à avoir chaud alors que je suis en t-shirt. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête ce matin? Donc voilà, je suis allée pour voir s'il n'y avait pas des body manches courtes. Il n'y en avait pas, donc je lui ai pris un petit enfant. On va à la maison.